qui allait écouter cette homélie. Nous continuons, frères et sœurs, à célébrer la joie de Pâques, la joie de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Il est ressuscité, il est vivant, il est vivant, il est ressuscité. Qui Jésus? Qui Jésus? Qui Jésus? Et nous acclamons le Seigneur. Ce deuxième dimanche a été proclamé par Saint Jean-Paul II à leur pape, dimanche de la miséricorde divine. C'est l'occasion de continuer à approfondir notre méditation sur la miséricorde de Dieu. Et le pape François nous avait invités du 8 décembre 2015 à novembre 2016. Nous avons invité de méditer pendant toute une année autour de ce thème de la miséricorde divine. Une année de jubilé extraordinaire. Cette miséricorde de Dieu se manifeste parce que Dieu prend toujours une présence, une visite, un coup de fil qui remet quelqu'un
tu remets quelqu'un debout. Jésus, qui vient par le chemin de l'histoire, de par son incarnation, il a pris notre condition, accepté le péché, il vient vers nous par sa présence, par sa parole, par son message, par ses messagers, il vient vers nous pour nous redonner la vie. Voilà pourquoi dans la deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul l'apôtre, Saint Paul le rend grâce. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Oui, dans sa grande miséricorde, il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il vient nous remettre debout. Rendez grâce. Et Jésus, aujourd'hui, il vient remettre debout ses apôtres, ses disciples. Après sa mort, ils étaient perdus. Ils s'étaient enfermés, nous avons entendu, dans l'Évangile. Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Oui, ils étaient enfermés par crainte. Ils avaient peur. Ils vont les rechercher, les disciples de Jésus. Ils vont les tuer. Et Jésus vint. Il était là, au milieu d'eux. Et dans cette première apparition, à deux reprises, il va leur donner la paix. Et quand on va se là, il va leur donner aussi la paix. Donc dans l'extrait de cet évangile, à trois reprises, Jésus leur donne la paix. La paix soit avec vous. Oui, ils en avaient besoin. Eux qui avaient abandonné leur maître. Ils en avaient besoin. Eux qui, Pierre qui avait venu, ils en avaient besoin et dont l'espérance était enfermée. Et Jésus vient leur dire, voilà, je suis la bien vivante, c'est bien. Regardez mes plaies, c'est bien moi. C'est pas un fantôme, c'est pas un monstre. C'est bien moi vivant. Oui, Jésus, il est plus fort que jamais. La mort n'a pas eu de prise sur lui. Alors, les apôtres pouvaient se dire, voilà, ou le monde pouvait se dire, voilà, il est ressuscité. Il est encore plus fort. Il va nous écraser parce que nous l'avons tué. Non. Les apôtres pouvaient se dire, il vient nous reprocher de l'avoir abandonné. Non. Pierre pouvait dire, ah oui, j'ai le cœur gros parce que je l'avais abandonné. Ben non. La paix soit avec vous. Oui, c'est plaie qui pouvait être comme nous souvent lorsque nous sommes blessés, nous regardons nos plaies, nous pensons aux personnes qui nous ont blessés. Et nous, parfois, nous crions la vengeance. Mais les plaies de Jésus deviennent les plaies de l'amour, les signes de la manifestation de son amour. C'est pour vous que j'ai donné ma vie. Et si j'ai donné ma vie pour vous, ce n'est pas pour venir vous écraser maintenant, mais c'est pour venir vous redire cet amour-là. Alors, il va leur donner l'Esprit Saint, recevez l'Esprit Saint, il leur souffle son Esprit Saint. Et comme je l'avais déjà dit dimanche dernier, ça me fait penser au récit de Genèse chapitre 2, le récit de la création quand Dieu a modelé l'homme avec de la terre et il a soufflé sur ses narines.
et il lui a donné la vie. L'âme s'est mise debout. Jésus, en donnant l'esprit, en donnant l'esprit à ses apôtres, et qui n'étaient des âmes que physiquement, parce que ils n'étaient plus debout, le cœur n'était plus debout, l'esprit vient leur redire. Jésus vient leur redire l'amour. Jésus vient leur manifester sa miséricorde. Voilà, recevez l'esprit. Oui, la résurrection de Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu envers nous, mais la manifestation de l'amour de Jésus envers nous. C'est bien de dire « je vous ai pardonné », mais encore faut-il que la personne sente vraiment à travers les actes, à travers les paroles, que je suis pardonné. Je me rappelle d'une dame qui avait des difficultés dans son travail et elle m'a dit « Mon père, je souffre parce que, oui, effectivement, il s'était passé des choses pas terribles dans mon travail. J'ai été sanctionné et puis après, on m'a réhabilité. Je vais au travail, mais je souffre encore davantage parce que je suis là, on ne me dit pas ce que je dois faire. Je n'ai pas retrouvé mon travail d'avant. Je n'ai pas retrouvé ma place d'avant. Donc, je suis là, je tourne parfois les doigts. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est déjà bien d'être réhabilité. Mais c'est encore mieux de travailler. Oui, je suis. Il nous parle de plusieurs manières.
Il nous envoie en mission de plusieurs manières. Alors, comment pour évoquer cette publicité qui passe, je ne veux pas la nommer, mais croyez, bougez. Croyez, bougez. Oui. Mangez, bougez. Nous mangeons la parole de Dieu, mais nous sommes appelés à bouger. Cette parole que nous devons digérer dans notre vie, nous doit nous pousser à bouger. Alors croyez, bougez. C'est ça la mission que Jésus nous donne. Amen. Par la résurrection de son Fils unique,
Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ici dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant de lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dans la paix du Christ, amen. Et à dimanche prochain. Merci.